Ah, franchement, aujourd'hui, j'arrive pas aujourd'hui. J'arrive pas. C'est très très dur. Tu sais, cette vidéo, j'ai déjà commencé. J'ai commencé, j'ai fait les pecs, mais douleur au coude gauche. Du coup, je change ma séance. Donc, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Là, on est dans une séance immersion. On va se faire le dos, les épaules. Normalement, tout se passe bien. Là, ça fait 10 jours peut-être, je suis pas allé à la salle, 10 jours, parce que Fitness Park, mon abonnement résilié, enfin résilié, j'avais fait que 1 mois d'abonnement, là j'ai repris 3 mois d'abonnement à Fitness Park, Saint-Étienne, parce que la salle elle est magnifique, elle est bien, on me fait pas chier pour me filmer, franchement c'est propre et tout, rien à dire. Et au taf, on m'a mis que du soir, tu vois. On m'a mis que du 13h-20h, 13h-20h. Du coup, c'était dur pour moi de m'organiser de la meilleure des façons. C'était vraiment dur. Donc là, je me suis énervé. Je me suis fait, non, Dams, t'as sorti plein de vidéos et tout. Il faut continuer. Quand tu as montré tes séances. Sachant que j'ai fait un foot avec mes collègues de TOF. C'était bien. J'ai moins mal au genou d'ailleurs. Et ça, c'est super. Là, dans le corps, j'ai un pré-workout. J'ai pris les petits shots de pré-workout, tu vois. Les petits shots que je te montre. Un pré-workout vraiment léger pour me réveiller un peu. Et puis, comme ça fait longtemps que voilà, je ne me suis pas entraîné, ça va me faire du bien. Je vais avoir une congestion. Parce que je ne cache pas, je me vois un peu maigre dans le miroir. Donc, ça va m'aider à être plus rempli. Même si que j'ai un peu du mal à me mettre dans ma séance. Et puis voilà, j'ai rien pris d'autre. J'ai un Energy Gel que je vais prendre après, normalement, si tout se passe bien. Et puis, j'essaie d'envoyer une très bonne séance d'eau. Là, tu vois, là, c'est une situation que j'aime pas du tout, tu vois. Parce que c'est une situation où je suis KO, tu vois. Je suis KO, je suis mort. J'ai pas envie de m'entraîner, mais il faut que je m'entraîne. Faut que j'envoie une bonne séance. Faut que je fasse ces choses bien, de la meilleure des façons possibles. Donc là, on va essayer d'envoyer le maximum qu'on peut. On va essayer de mettre des bonnes charges et puis se bousiller parce que je me suis reposé 10 jours. Normalement, je peux envoyer une bonne séance. Avec un pré-workout, je peux faire les choses bien. Et c'est ce qu'on va faire. Là, histoire de pré-fatiguer mon dos de la bonne manière, on va sortir du oiseau sur banc, tranquillement. On va envoyer 30 répétitions. Essayer de faire un bon mouvement. Et puis voilà, ça va bien se passer. Prise neutre pour être bien. Et c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tends les bras au maximum. 9, 10. J'essaie de pas rester trop plié comme ça, tu vois. 11, 12, 13, 14, 15. Allez. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Très bien. Ça va, je sens que ça picote un peu, mais c'est bon. C'est comme ça que je vais entrer dans ma séance. C'est comme ça. On va rebalancer 30 reps. Même si j'ai pris même pas 30 secondes de repos, mais j'ai vraiment envie de faire une bonne séance. Allez. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, c'est rien, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, très bien. On va se faire du rowing sur le banc. Rowing sur le banc en biceps avec oiseau halter toujours en prise neutre. On va se faire du 10-15. 10 répétitions en rowing. 15 répétitions en oiseau. Histoire de se bousiller.
On souffle et on reprend. Là, j'ai pris les 20 kilos pour commencer en rowing, vu que c'est léger. Je comptais 2 secondes de contraction tranquillement. Et pour les élévations oiseaux haltères, il y aura pas de tempo, rien. On va juste balancer 15 reps comme ça. Allez, c'est parti. Normalement, ça va me fumer et aussi réveiller le pré-workout qui est dans mon corps. On y va. Une, deux, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, dix. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu vois, quand je fais mes évasions, plus c'est dur, plus je resserre mes bras pour avoir plus de force. Mais normalement, il faut vraiment que je reste tendu à chaque fois pour bien faire le mouvement. C'est important. Aussi, deuxième chose, quand je fais mes mouvements sur banc, parfois je lève la tête pour me voir au miroir. C'est pas bon aussi. Il faut que ma tête reste droite pour un bon alignement de la colonne vertébrale. Tu vois, si je fais ça et je fais mon mouvement, je fais ça, c'est pas bon. Je dois rester droit. C'est important. Et je travaille sur ça. J'ai pris les 32 kilos. Là, il n'y a plus de tempo. Le tempo, c'est avec le 20, blocage 2 secondes. Là, il n'y aura pas de blocage, il n'y aura que de l'agressivité, que de la force. Donc, on va balancer 8 ou 10 répétitions à 32. Et on verra si on fait 3 ou 4 séries. Le but, c'est de faire 32. Juste après, passer à 40. Et juste après, essayer de passer soit à 46 ou 48 kilos. Mais je pense pas, honnêtement, que je pourrais aller 50 kilos aujourd'hui. Mais on va essayer de monter progressivement. Donc, 8 ou 10 répétitions, pas de tempo, on fait les choses bien, on met de la force, on met de la rage et on avance. Deuxième, première vraie série, 32 kilos. C'est parti. On y va. Une, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. 15 reps. Bon, attendu. On y va. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Congestion commence à venir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va, les 32 sont bien placés, sont bien passés. On va essayer de mettre 44 direct. 32, 44. Ça va être dur, hein, parce que passer de 32 à 44, c'est un monde totalement différent. Mais si les 44 elles passent bien, on passe à 50. On essaie de passer à 50. Et on s'arrêtera à 3 séries. Bon, je me pose et je repars. Et je change les poids, parce que c'est important. Là, tu vois, je suis vraiment pas dans mon meilleur mood, dans mon meilleur état. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, ça fait mal, c'est dur, mais ça qu'il faut, tu vois, c'est ça qu'il faut. Si on fait que des sens agréables, on s'entraîne pas. Faut que ce soit minimum dur, faut avoir mal, c'est important. D'ailleurs, regarde ma barbe, tu vois, je l'ai faite aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Et c'est important pour te parler d'un angle où ma barbe elle est bien faite, parce que là, on m'a fait du bien. Franchement, c'est des chirurgiens qui m'ont fait ça. C'est incroyable. 44 kilos. 44 kilos.
comment ça passe. Allez. Les portées, je sens que ça va être dur. Je sens. Normalement, ça passe. Allez. Cinq, six, sept, huit. Oh. Ok, 15 reps. Huit. Ah, non, neutre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. 12, 13, allez, 14, 15. Oh. C'était dur. 44, c'était dur. On va rester avec cette charge. C'était super dur, vraiment. Comme quoi, il y a des jours où tu peux placer les 50, d'autres jours où c'est mort. Mais 44 là, c'était vraiment dur. Je vais rester à 44, pas faire n'importe quoi. Mais je suis pas content. Normalement, je peux aller à 50, je peux soulever plus lourd, tu vois. On va bosser intelligemment, c'est que le premier exercice. C'est que le début de séance, tu vois. On va enlever le haut, je pense, et faire la dernière 44 avec le oiseau halter. Et passer à exercice 2. Mais ouais, je suis pas content, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Comme quoi, une semaine de repos, ça peut être bien, comme ça peut me détruire, tu vois, moi ça me détruit. Je le sais très bien, je connais mon corps. Après, c'est pas une semaine où j'ai rien fait, j'ai travaillé, je pars au taf, je soulève des trucs, tu vois. C'est compliqué, je me repose pas beaucoup, c'est compliqué, mais c'est dur, franchement, c'est dur. Tout ce qu'on te demande, c'est de valider ta putain de... Rep. Valide. Valide. Fais ça bien. Allez. Valide, c'est 8 reps. C'est lourd. 8 reps. Valide. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ok, 8, 15 maintenant, 15, c'est rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Oh. Pourtant, la congestion elle est là, mais je sens que je suis vide. Je suis vraiment vide. C'est incroyable. C'est une sensation vraiment bizarre. Prochain exercice. Bûcheron halter. Je serais bien allé sur les poulies et tout pour le dos. Mais c'est trop facile, tu vois, c'est trop facile, trop simple. Bûcheron halter et tout, ça, c'est des choses beaucoup plus dures, mais qui me mettent dans le mal. Et là, aujourd'hui, il faut que tu sois dans le mal, c'est important. C'est vraiment important. Bûcheron halter, je pense qu'on prend les 30 kilos, normalement, si ça se passe bien. On va pas faire de tempo. Je voulais bien faire à 2 secondes et tout, mais non. Bûcheron halter, avec... oiseau halter, mais en prise pronation cette fois-ci. Donc on va travailler le dos et l'arrière des épaules pour être bien. J'ai gardé les 6 kilos pour l'oiseau halter en prise pronation. Et 30 kilos normalement sans tempo, ça passe. En bûcheron, normalement, ça passe. On va faire ça bien. Je me repose un peu, je souffle un peu. Et puis c'est parti, let's go, on va envoyer. On va se faire un 10, 10, 15. On va voir si on tient ça.
4 séries. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, ok. Prise pronation pour toucher que l'arrière des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 10, 15, c'est parfait, sauf que 30, je la sens pas parfaite, la charge, je la sens un peu simple, tu vois, donc on va monter, mais j'ai peur que 40, ça soit trop, je crois que là, on a combien, là on est vraiment à 30, on n'est pas à 32, vas-y, on va prendre 40. On va prendre 40. Et on va voir comment je la sens. Mais 40, je pense qu'on va s'arrêter à 8 reps. Même si on s'arrête à 8 reps, c'est pas grave, on reste dans la prise de masse. Mais le plus important, c'est d'avoir mal et de faire une bonne séance. C'est important. Même si on a mal, c'est pas grave, je suis en week-end. Allez. Normalement, là, on va bien envoyer. Après les 40. Ça va bien se passer. On va s'énerver un peu. Et normalement, la perf, on va la valider normalement. On va la valider. À savoir, pour moi, les séances aux haltères sont beaucoup plus dures que les séances à la poulie. Tu vois. Et moi, ça, je le fais vraiment pour me réveiller nerveusement, bosser avec les haltères, me faire mal, m'être lourd, faire des 17 supersets et après je peux m'amuser avec les poulies, tu vois. Parce que moi j'ai besoin d'être dans ma séance. Quand je suis dans ma séance, c'est bon. Je suis inarrêtable. C'est parti. Là, on va essayer de faire 10 reps, mais je pense que 40, je connais mon corps. 8 reps, c'est ce que je vais faire, je pense. Allez, fais ça bien. Hey. 3, ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'en fais savoir, mais ça fait mal quand même. Mais ça va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Allez. Allez. 15 reps. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. La 40, elle est passée. Ça m'a fait mal. Mais je sentais que je pouvais être un peu au-dessus encore, tu vois. Moins de 50 cette fois-ci. Mais je pense que ma charge idéale serait 44 kg, mais j'ai envie de prendre les 46.
pour la dernière. 46, histoire d'être bien et me faire vraiment mal. Sinon, je peux tenter les 50. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais vu que là, je suis un peu plus réveillé, je peux tenter les 50. Je vais prendre un énergie gel et je vais réfléchir. Je vais voir ça. Énergie gel, très important. Faire les choses bien pour bien récupérer. Petit gel de glucides. Franchement, les 50, je ne vais pas te mentir, je ne le sens pas du tout. Je pense que je peux en faire 5. 5, je pense à 55. Si j'en veux faire 8, c'est que vraiment c'est fort. Ou alors que le mouvement ne sera pas beau. Mais si je pense déjà à les faire, c'est que je me sens bien. C'est que là, je suis rentré dans ma séance. En fait, quand indirectement je me dis je vais porter du lourd, c'est niveau articulation, niveau focus, niveau mental, je suis prêt pour. Même si que j'ai conscience de mes limites, j'ai conscience de ma fatigue, j'ai conscience de mes capacités. Aujourd'hui, tu vois, c'est que j'aurais chaud, mais j'ai le mental pour pouvoir les prendre. Ça, c'est bien. Donc, on va prendre 50, faire ça bien. Allez, tu vois, quand je fais le mouvement, j'aime bien mettre mon poing directement sur le banc pour faire mon bûcheron. Mais là, c'est 50. Donc, je vais devoir prendre le banc sur le côté. Mais quand je le prends comme ça, j'ai une douleur au poignet, tu vois. Malheureusement. Donc, je sais pas comment je vais gérer. Je sais pas. Ça va être dur, mais ça va être le défi du jour. En plus, mon retour caméra, il a décidé de bugger. C'est-à-dire que je me vois même pas bien. Mais c'est pas grave, on va valider ça. Allez, fais ça bien. Essaye de faire 8 reps. Énerve-toi au maximum. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 5, 6, 7, 8. Putain, c'est passé. Passé avec la gauche. Normalement, la droite, ça va le faire. Comment? 5, 6, 7. Je pense que mon mouvement est pas ouf. Vraiment, je pense qu'il est pas ouf. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, faut jouer à mon mouvement. Il faut vraiment que je joue à mon mouvement. C'est important. J'ai regardé mon mouvement et mon mouvement a l'air propre, plutôt propre, même si c'est dur. Hein. Ça a l'air propre et je suis content. Parce que début de séance difficile, c'était dur point pour charger. Là, j'ai chargé niveau poids, j'ai réussi. Je suis content. Je rentre dans ma séance, enfin. Là maintenant, j'hésite à faire un exercice de tirage à la poulie, sauf qu'il y a du monde, c'est compliqué. Ou j'ai le rowing machine qui peut être très intéressant, on a déjà fait ça plein de fois, mais je pense vraiment que je vais le refaire, je pense. On va s'amuser, essayer de mettre lourd s'il n'y a pas de monde, et puis voilà, hein. Ça va bien se passer. Bon, rowing machine. J'ai essayé de mettre un peu plus de poids parce que dessus il n'y a que 40 kilos. On va faire une latérale lourde. Là je vois. Bon, on va essayer de mettre 80 kilos. Histoire d'être bien d'avoir mal. Et faire 3 séries de 8 répétitions de chaque. On va faire ça bien. 80 kilos de chaque. On va essayer de faire 8-8.
80 kilos, c'est très très dur, tu vois. Très très dur cette machine-là. Normalement, on va valider. On va valider. Je m'assois jamais dessus. C'est lourd, hein, vraiment. Allez. C'est dur, c'est super dur. Je vais voir si je baisse ou pas. Je vais d'abord vérifier mon mouvement, s'il est bien, s'il est complet, mais je sens que je souffre, surtout sur la main droite. C'est bizarre. Je sens que j'ai plus mal à droite qu'à gauche. C'est une dinguerie. Alors que ma droite, normalement, c'est ma main la plus forte, ma main la plus aguerrie, tu vois. Je vais voir ça. Si je vois que le mouvement, je souffre trop à la caméra, si je vois que c'est mal exécuté, je baisse, je retire une plaque devant. Si je vois que le mouvement est bien exécuté, mais j'ai juste mal, je vais laisser. Oh. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bon, je pense que comme tu as déjà vu le mouvement, tu as déjà la réponse à ma question. Le mouvement est bien fait, j'ai juste mal. Du coup, on garde les 80 kilos. Ah, ça va être compliqué, mais je vais essayer d'en faire trois. Je vais essayer d'en faire trois pour être bien. Et juste après, ben, on va baisser les charges et travailler avec les deux bras en même temps, tu vois. Mais là, j'ai vraiment envie de faire du mal à mon dos, tu vois. De faire du mal et lui mettre du lourd. C'est important. C'est quelque chose que j'ai négligé, hein. Mettre des séries lourdes. Faire des séances lourdes à mon dos, c'est quelque chose que j'ai négligé pendant très longtemps. Et là, je commence à le faire. Je commence à lui donner des charges, je commence à lui donner à manger, je commence à lui donner des reps. Et c'est bien, et c'est comme ça que je vois mon dos se développer. Sachant que le dos, si tu veux, tu vas vraiment le voir se développer quand tu vas commencer à sécher. Tu vois, le dos, c'est un peu comme les abdos, dans le sens où, quand tu es en prise de masse, et ben, tu le dessines sans le savoir. Et quand tu sèches, quand tu fais un régime, c'est là où tu vois le travail que tu as fourni en prise de masse. Parce que c'est là où tu le traces. Tu vois, ça, c'est important de faire les choses bien. C'est pour ça que là, il faut que je fracasse mon dos. C'est important et c'est ce que je vais faire. Allez, deuxième. Deuxième, fais ça bien, valide. Allez. 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est incroyable. Je sais que la dernière fois, j'essaie de mettre 100. J'ai pas réussi, je crois. Je vais remettre 100. Je vais essayer. Je vais voir. Mais je pense aussi que 100, ça va être un échec. Je pense aussi. Parce que les 8, je les fais bien, je l'assume, mais c'est dur. Et 100 kilos, c'est très très dur, tu vois. Mais je suis dans le mood, je suis dans le truc. Si je fais au moins 5 crêpes à 100, je ferai 5 reps à 100 de chaque unilatérale. On va rajouter 20, mettre un 2 minutes de repos. Sachant que là, en repos, j'ai pas dit, hein, mais depuis toute la séance que j'ai faite, je suis entre 2 et 4 minutes de repos. J'ai vraiment des repos longs, tu vois. Parce que je reviens du travail, je suis KO et il faut que mon corps récupère bien. Pour bien enchaîner derrière. Et je vais rajouter encore des 20 pour arriver à 100 et on va repartir. 100 kilos. 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 C'est dur. Hein. C'est très très dur. Très lourd. Je sais que ça fait mal. Mais on va essayer.
On va voir si on peut faire plus de 5 reps ou si on sera bloqué à 5 reps. Je me suis bien reposé. 4 minutes de repos au moins. Allez, comment? Allez. 4, 5, allez, 6, 7, 8. C'est pas validé si je fais pas avec l'autre bras. 1, 2, 3, 4, non, 5. Je peux pas. Je suis obligé d'aller à 8, obligé. 6. 7. 8. Wow. Ah, c'est dur. La dernière fois que je les ai fait, je m'étais arrêté à 5 ou 6 reps, je sais plus. Et là, j'arrive à faire 8 reps avec difficulté. Et aussi avec tout ce qu'on a fait avant et derrière. Mais je suis content. Franchement, je suis content. Je suis vraiment content. 100 kilos, c'est lourd. Sur ça, c'est super lourd. Donc, je suis content. Malgré la fatigue, je suis content, j'arrive à faire ça. Par contre, c'est bizarre parce qu'en début de séance, tu vois, le rowing couché, j'ai pas réussi à monter en charge. J'étais pas chaud, mais là, je suis chaud. Là, je suis chaud, je suis bien, je me sens bien. J'arrive à bien monter en charge. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis vraiment un diesel, tu vois. Moi, je démarre pas tout de suite. C'est vraiment, j'ai besoin de temps pour que ma séance se passe bien. On va décharger jusqu'à 60 kilos et bosser avec les deux bras, 60 kilos tranquillement. Je sais pas si c'est trop lourd, si c'est assez, mais on va essayer à 60 kilos histoire de récupérer tout en travaillant à charge moyenne, parce que c'est important. En tout cas, je suis fier de moi, je suis vraiment fier de moi. On va tenter, mais 60 kilos, c'est lourd, hein. Sur ça, c'est super lourd, surtout en prise large. Ah ouais, ça va être costaud, hein. Là, j'ai déjà envie de baisser là, mais on va faire un crash test. Allez, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vraiment, c'est pas la sensation que je voulais avoir. Je voulais plus avoir une sensation de récupération. Mais c'est pas plus mal non plus de mettre lourd et de se déchirer dans ce mouvement. Donc on va faire 3 séries comme ça. C'est pas grave. Comme ça, on va avoir mal du début à la fin. Vraiment. Et vu que je vais à la salle demain encore, je pense qu'après les 2 séries qui vont me rester là, je vais faire un exo-bras et faire une séance, histoire de garder de la force pour demain. Parce que là, si je me bousille pour de vrai demain et après-demain, je pourrais pas aller à la salle. Mais on va rester sur 60 kilos. Ça fait mal, on va rester dessus. On a un angle plus serré, mais je te rassure, j'ai gardé les 60 kilos. De toute façon, tu me connais. Si je baisse, je te le dis. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste une dernière. Après, c'est bon. Une dernière. Après, on est bon. Franchement, si j'avais du temps à consacrer à mes séances de musculation, j'aurais mis 200 euros dans la semaine. J'aurais mis une séance largeur et une séance épaisseur, mais je peux pas le faire. Honnêtement, je peux pas le faire. J'ai pas le temps pour ça. Mais je ferais une séance immersion spéciale largeur et une séance spéciale épaisseur pour te montrer ce que je fais, ce qui est bien de faire et aussi pourquoi je le fais, tu vois. Ça peut être intéressant, vraiment. Mais en tout cas, je me sens bien. Là, j'ai mis lourd. Franchement, je me fais mal. La récupération, elle est bien. On verra demain les courbatures, mais tout se passe bien pour l'instant. Et je suis content.
parce que c'est important, vraiment. Allez, dernière. Fais ça bien. On envoie ça, 60. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis bien. Je crois que je vais faire un exercice bras. Hein. Exercice bras. Et puis je vais me tailler. Parce que malgré tout, je sens que la fatigue commence à redescendre un peu. Mais je suis content. Hein. Je décharge bien les poids. Parce que c'est important. Et on se donne rendez-vous à la poulie s'il y a une place. Bon, là je balançais du curl biceps en prise marteau. 2 secondes de contraction. J'ai pris 18 kilos, ça va, c'est léger. Et puis c'est parti. Hein. 1, 2, 3, 5, 6. Putain. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Parfait. Là là, quand je sens, on est un peu parti là. Mais ça va. On reste potable quand même. On va refaire, mais sans tempo, 2 secondes. Ça me fait trop mal. On est en fin de séance. On va finir vite. Donc, on va balancer direct. Sans tempo. Je me repose un peu et je repars. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc à toi. 1, 2, 3, ça va être dur. 4, 5, 6, je m'arrête à 8, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Comme je l'ai dit, dans mes séances bras, enfin non, j'entraîne pas beaucoup les bras. Dans mes séances dos, biceps, triceps et tout, j'entraîne pas beaucoup mes bras. Avant, je faisais beaucoup, maintenant, je l'ai fait moins, ça me fait trop mal, tu vois. Mais c'est du bien de faire un petit rappel parfois. Ça fait du bien. Là, on reste solide. Et on continue. On continue à avancer. Il reste une dernière. Une dernière, on est bien. Vraiment, une dernière. Et on est bien. Et on rentre à la maison, on va manger. La dernière, je vais me la faire en double curl, tranquillement. On va faire ça bien. Envoyer peut-être 15 reps, on va voir. Et puis voilà, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Oh, parfait, parfait. Franchement, je suis bien. Je suis vraiment bien. Oh. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mets un j'aime. Mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. C'est pas fait. Et on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos immersion, parce que c'est important.